OK, yo, lève-toi, il est 7 heures. Viens déjeuner. Putain. Bon, on va te faire la barbe. Ça marche. Assieds-toi là. Je prends mon café, je gère pendant ce temps-là, donc je gère l'opposition qu'il va y avoir entre Thomas et son frère ou Thomas et sa petite sœur. Le tisage est beaucoup plus grand avec sa petite sœur à Thomas qu'avec Laurence. Céréales. Tu veux des céréales? Oui, merci, Tom, d'avoir mis les grenouilles. C'est gentil. Ah, elle est bonne. Ça, moi aussi, j'ai faim, hein? Hé, c'est mon bol! Mais t'as changé mon bol! C'est pas mon bol! Bon, l'étape cruciale du déjeuner, c'est la prise de médication. Donc, mes enfants sont médicamentés et pour nous, ça a changé énormément de choses. Donc, la médication prend entre 20 minutes et 40 minutes à peu près avant de faire effet. Et à partir du moment où on sait que la prise de médication est faite, le temps commence à découler et là, whoop, le calme s'en vient tranquillement, pas vite, jusqu'à temps que ça fasse 40 minutes que la médication est prise. Puis quand le 40 minutes est pris, qu'on y arrive à ça, à ce moment-là, c'est calme, c'est relax. Donc ça, c'est vraiment le moment crucial et on le voit bien à tous les matins sans exception. Là. Il y a le avant-médication et le après-médication. Si je m'en occuperais pas puis je serais pas là, bien, au bout d'une semaine, il se fait pas la barbe. Il se peignerait pas, il s'en fout dans moins de l'an 40. Tu peux lui donner un gilet, un vieux gilet ou un gilet neuf, il va le porter pareil, il s'en fout de l'an 40. Mais ça veut pas dire qu'il aime pas le beau linge. Il aime le beau linge. Oui, toi? Oui. OK. Mais il est capable de porter n'importe quoi, qu'il s'en fout comme dans la garde. Tu sais, il dit pas moi je veux ça parce que lui il l'a. Tu lui demandes, il te demande, il dit hey, comment il a coûté mon gilet? Tu lui dis 2 piastres. Et tata, il a coûté cher, il n'y a pas de notion de l'argent. Ça fait que c'est un cadeau pour lui, c'est pas le montant financier qui est important, c'est le cadeau. C'est ça qui compte. C'est le même que ça se vit. Tu veux-tu des confitures? Bon, oh, marché. J'ai eu la chance de partir en maternelle avec un directeur d'école qui était très ouvert. Qui croyait aux enfants comme tels, l'esprit d'appartenance à l'école était important, qui m'a énormément soutenue dans la maternelle de Thomas. Parce que Thomas, en maternelle, on ne savait pas exactement ce qu'il y avait, on n'avait pas de diagnostic encore officiel, et c'était le trouble de comportement qui planait continuellement alentour. Donc, on a tout fait pour le garder dans l'école standard, sans savoir comment intervenir. Et c'est pas évident parce qu'un enfant TED, tu peux pas lui prendre le visage pour lui dire « Hey, tu me regardes ». Mais un enfant qui a un trouble de comportement, tu dois faire ça. Donc, toutes les techniques qui étaient mises en place pour l'aider, il faisait plus de tort que de bien, finalement. C'est que ça engendrait un comportement négatif au lieu de l'aider. Mais c'est ça, ce directeur d'école-là m'a vraiment, vraiment soutenu et aidé. Puis il a dit « Non, on le place pas, on regarde, il y a d'autres choses, on va aller chercher plus loin ». Mais il a quitté en première année. Et on est tombé avec un directeur d'école qui est très académique. Donc, ses notes, ses résultats scolaires, c'est des concours gagnés. C'est beaucoup plus ça qui est prôné que quoi que ce soit d'autre. Et lui, il n'en voulait pas. Lui et les enfants différents, ça nuit à la crédibilité de l'école, au standing de l'école. Alors, ça a été l'inverse. Il a tout fait pour pouvoir le tasser. La charrue voit les bœufs. On sera ma bredouille. On va y aller à deux. Pêcher dans les quenouilles. Moi, j'aime les mollets, pas les cuisses de grenouilles. Quand on est parent d'un enfant autiste qui devient adulte, on est parent d'un enfant à perpétuité. Exactement. Exactement. On est parent pour toujours. Et ça se vit comment lorsque l'enfant est rendu à 30 ans?
Ça se vit encore bien. Mais c'est pas son âge qui est important, c'est le mien. C'est celui de son père. C'est notre âge qui est important dans cette histoire-là. Lui qui a 30 ans, 20 ans ou 40 ans, ça fait pas grande différence. Mais c'est nous, c'est notre âge. Quand on pourra plus, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça qui est le plus inquiétant, le plus difficile. Puis je crois que je suis pas le seul parent comme ça. Tu as acheté tes cartes, mon chéri? Quand on vit avec une personne autiste, c'est sûr que la vie de la famille doit être complètement centrée sur la personne autiste. Il n'y a rien que l'on fait dans une maison où vit un autiste sans être certain que ça va convenir à la personne autiste. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Fais un beau dodo. C'est sûr que Geoffrey n'a pas beaucoup de langage, mais il arrive à communiquer la plupart de ses besoins de base pour lui. C'est spécifique à lui. Non. OK. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. À demain! Mohamed Ghoul, intervenant social, utilise l'art pour permettre aux personnes autistes de créer, communiquer et s'épanouir. La musique et l'art en général aident énormément les autistes, non seulement à bien se sentir, mais également à communiquer avec le reste du monde. Et par le rythme, des nouveaux circuits de communication s'installent dans le cerveau, et ce, assez naturellement d'ailleurs. Et là, on peut observer une évolution à tous les niveaux de la vie. L'instrument de base, c'est le tambour sous toutes ses formes. Djembé, conga, bongo, batterie. Puis on insère d'autres instruments et éventuellement la chanson. Johan, par exemple, qu'on voit chanter avec bonheur, a eu toute sa vie des difficultés à trouver sa place et à vivre sa différence jusqu'à ce qu'il découvre le rythme et la chanson. Présentement, Mohamed Ghoul et son groupe préparent un des défis les plus difficiles pour les personnes autistes. C'est de sortir de sa demeure, de sa routine, et de s'en aller loin pour longtemps. Normalement, 90 % de sa journée est connue d'avance et c'est comme un rituel. Là, on leur propose de partir en avion jusqu'en France pour aller monter un spectacle dans un chapiteau. Ce projet se fait en collaboration avec plusieurs partenaires. Parmi ses partenaires se trouve Ted Acker, dont la directrice est la maman du petit Thomas. Elle a une approche très familiale. Ted Acker, en fait, a 4 programmes. Le premier étant les rencontres une fois par mois. Donc, les rencontres servent à ce que les parents puissent échanger entre eux avec la fratrie. La fratrie est inclue, quelque chose qui n'existe pas en temps normal dans les rencontres qui sont déjà mises en place par d'autres institutions. Donc, la fratrie est inclue. Ça se fait soit à l'extérieur ou à l'intérieur, souvent sous forme de pique-nique. Le but étant d'échanger et de mettre tout ce beau monde-là ensemble dans une activité familiale. Alors, ça, c'est les rencontres. On a aussi le coaching mentorat. Donc, ça, c'est pour aider le parent à mieux se sentir dans son rôle de parent d'enfants différents. Alors ça, je sais que ça ne sera pas un luxe pour lui parce qu'il joue avec ses bebelles, d'un coup, il se met à chicaner après les bebelles parce que... Donc, ça, ce sont nos 2 premiers programmes. Dans les 2 suivants, on a Permission accordée, qui est un programme de gardiennage ponctuel. Et le tout dernier programme, c'est Être ton ami, qui est le programme d'intégration scolaire adapté pour les enfants tels. Notre objectif principal, c'est vraiment d'intégrer les personnes avec des particularités. On parle, c'est ça, de tout trouble de comportement, autisme, trouble d'intégration divers. Les intégrer avec le groupe. OK, attention! Suite à ça, bien là, les gens d'eux-mêmes vont se greffer à une activité plus qu'à l'autre, puis en bout de ligne, ça va nous permettre de construire un spectacle ou quelque chose comme ça. Et tout le monde va avoir son rôle là-dedans. La SDIA, c'est plus qu'un répit pour les parents. C'est un programme qui permet d'intégrer dans la société des personnes qui étaient isolées faute de méthode d'intégration. Certaines de ces personnes n'avaient pas l'usage de la parole avant de commencer à chanter et l'ont développé ensuite. Vous avez aimé ça? On va intégrer la voix maintenant.
OK? C'est une approche qui s'applique aussi à d'autres personnes que des autistes. Par exemple, nous sommes ici dans une école primaire où dans un même atelier sont réunis des élèves de classe régulière avec des personnes autistes. Tu démarres ce que tu veux. SDA veut dire socio-dynamique d'intégration par l'art. C'est un programme qui permet d'outiller toute personne pour développer ses propres mécanismes de communication à travers le développement de la concentration, en tapant le rythme, pour commencer. Et donc, en développant ses compétences rythmiques, on développe aussi l'estime de soi. Puis, en travaillant en groupe, on développe l'appartenance sociale. Donc voilà, en quelques mots, c'est quoi la SDA. Un autre des partenaires avec qui se prépare le grand voyage en Europe est la Société de l'autisme et des troubles envahissants du développement de l'Abitibi-Témiscamingue. La coordonnatrice de l'organisme est la maman de Geoffrey, un autre des musiciens autistes qui prévoit voyager avec le groupe. C'est pour les familles surtout, c'est accueil, écoute, référence, formation, information et surtout défense des droits, bien entendu. Baba, babe, babi, babo, babu, babou. Ici, ce sont nos ateliers de son et de diction principalement qui se passent ici. La sécheuse. OK. Il va mouiller. Il. Et ici, ce sont nos ateliers de musique. Quand on fait de la musique, on occupe tout l'espace ici. Puis de l'autre côté, c'est notre atelier d'art qui, quand on fait des ateliers d'art, on s'extensionne vers l'autre côté. Bravo, c'est magnifique. C'est très, 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 très beau. Bien entendu, Geoffrey, lui, redessine son dessin lui-même. Il est excellent en dessin. Chantal, elle a fait un traçage pour cette fois-ci. On change d'approche un petit peu à chaque fois. Puis là, tout le monde est installé bien confortablement par terre, en train de préparer un nouveau bijou. Martin, c'est notre meilleur dans les ateliers de bijoux. Bien, toutes ces activités-là sont un médium qui nous sert à les amener à trouver un équilibre dans leur vie, à diminuer leur angoisse, parce que pour nous, c'est d'abord et avant tout un moyen pour les aider à être bien dans leur peau, à être heureux. Ce qu'on voulait, c'était qu'ils se détendent, qu'ils fassent des activités intéressantes, agréables, qu'ils aient du plaisir et qu'ils le fassent avec nous aussi. Le résultat n'est pas important. Le résultat, ça a été un cadeau en plus. Nous avons une mini-salle d'exposition. Nous faisons des spectacles régulièrement. Les activités se déroulent toutes les semaines. C'est 4 jours/semaine comme programmation. L'autisme, pour nous, c'est pas un ghetto. Il y a d'autres artistes qui ont accepté de nous offrir des œuvres pour vendre ou juste pour le plaisir d'exposer. Dans certains cas, ils les ont offert. Si on les vend, c'est à notre profit. Dans d'autres cas, ils les ont juste exposés. Ils veulent les garder comme collection personnelle. OK, on y va. Boum, ti, boum. Boum, ti, boum. OK? 1, 2, 3. La méthode SDIA s'adapte au niveau de chacun tout en favorisant l'intégration de tous. Super. Toi, tu vas faire ça maintenant. Je vais essayer celui-là. OK, puis nous, on attend, OK? Vas-y, fais ça. Chacun évolue à son rythme. La structure se construit au fur et à mesure des rencontres. Toi, là-dessus, tu vas faire ça. Celui-là, OK? Celui-là. Lancez. 1, 2, 3. OK? D'accord? Ah ben, celui-là, celui-là. On reprend ça. 1, 2, 3, 4. Ouh, ouh, yeah! 1, 2, in fairy.
Thomas a très vite assimilé le djembé. Les membres du groupe l'appellent déjà l'autiste au tambour. Il a un talent naturel pour le rythme. Malgré son jeune âge, ils ont décidé de l'intégrer au voyage. Quand est-ce qu'on s'en va à Paris? Mais demain! Non! Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Ce soir! Ce soir! On est arrivé au jour J. On va se préparer à embarquer tranquillement. Et puis, on va tous se retrouver à Paris. On va rencontrer nos amis, faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire des spectacles, présenter qui on est. Et dans ce voyage-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de différences en termes d'âge, en termes de style aussi. Donc, notre avion a une petite demi-heure de retard, mais on va quand même y aller maintenant pour embarquer et se retrouver après derrière les douanes. Alors, on est parti tout le monde? Go! Nous sommes un groupe de 11 personnes, dont 4 autistes, 4 artistes autistes qui vont rencontrer d'autres autistes artistes à Paris, au Chapiteau des Turbulents, pour une semaine de résidence d'artistes. Cool, man! Au départ, la nervosité est palpable. Pour une personne autiste, quitter sa maison et ses habitudes quotidiennes est un grand défi. Durant ce voyage, ils vont faire face à des situations de crise potentielle permanente. Même si la SDIA les a préparés, les accompagnateurs devront rester vigilants. Cette expérience pourrait les mener très loin. Diane, nouvellement arrivée dans le groupe, a généralement de la difficulté à voir du positif. Elle va s'intégrer tout au long du voyage. Johan, lui, il a peur des transports. Mais là, il va les affronter. On descend tranquillement. On descend. On descend. Enfin arrivé au Chapiteau, organisme à but non lucratif subventionné entre autres par des programmes gouvernementaux. L'endroit même où Mohamed Ghoul avait commencé ce travail 15 ans plus tôt. Il y retrouve les compagnons avec lesquels il avait développé les approches d'intégration par l'art telles qu'il les décrivait à l'époque. Pénétrer le milieu ordinaire par le moyen d'activités artistiques, de la consommation d'une part et de la création artistique a été une des approches que nous avons développées. C'était une forme, non pas d'art-thérapie, dans le sens où nous ne prétendions pas soigner les personnes avec de l'art, mais plutôt une sociothérapie en disant que, comme les personnes ordinaires, quelqu'un qui peut profiter d'activités artistiques sur les deux plans, sur les deux niveaux, de la consommation et de la création, peut aller mieux, peut être plus heureux. Et donc c'était ça notre philosophie et notre objectif. Côté, côté. Ça s'est tourné le corps. Super. On monte. On souffle bien fort. C'est parti. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un. Tous les lundis matin, en fait, je tiens l'activité Danse africaine. Où soit on est en lien avec d'autres artistes qui peuvent donner un petit coup de main ou une autre façon de danser,
ou bien le lundi, je donne des cours, quoi. L'évolution, c'est surtout au niveau de l'écoute corporelle. C'est au niveau de quand on, la relaxation, par exemple, à la fin, on peut vraiment voir qu'il arrive de mieux en mieux à se détendre ou à vraiment recevoir même le mouvement, reconnaître le mouvement grâce à la musique. Donc grâce à la percussion qui est un son très, très fort et très vibrant dans le corps, on peut voir que de plus en plus ils sont en lien avec, avec la musique. Mais c'est aussi tout ce qui est travail de médiation, d'écouter, respecter les règles, un travail de groupe, un travail aussi où on se respecte individuellement quand on est, chacun va danser ou va motiver l'autre pour se mettre en avant de scène. C'est une médiation en fait, où derrière, éducativement, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et quand on est sur scène, il n'y a plus question de maladie, il n'y a plus question de folie comme on peut entendre dans certains discours. C'est juste vivre ensemble un moment fort et s'exprimer par le corps. Tout le monde a le sourire et est content de venir. Il y a une vraie dynamique d'envie d'avancer, de se retrouver, et c'est ça qui est fort, quoi. Le programme des Turbulents a réussi à intégrer les autistes autant dans les activités artistiques que dans la sphère professionnelle, incluant la restauration. Allez-vous, aspirer américain, ça fait l'art culinaire de la France. Un serveur peut surprendre avec des gestes inhabituels, comme embrasser un client ou le traiter avec familiarité. Mais c'est une opportunité pour le public de rencontrer ses différences. C'est un monde chaleureux et accueillant. Un plat chaud. Deux secondes! Je n'ai que deux mains! Allez, yeah! On travaille surtout à changer un petit peu le regard d'un public sur cette population dite différente. Il y a aussi une valorisation, c'est-à-dire que nous avons créé un outil où chaque jeune ici a une fiche de paye et une rémunération. Donc il est inscrit dans le pacte social avec une profession. Et du coup, ça crée un statut, c'est-à-dire qu'ici, ils sont des acteurs économiques, et ils ont une rémunération, et voilà, ils sont un peu plus dans la vie ordinaire. Yes. T'es fâché, pas de stâché, pas de relevé. Quand ça s'élève, attention, stressé. Ça, c'est de trop, mais bon, c'est pas grave, c'est l'émotion. Ah, oh, c'est bon. Pas dans le morceau, on reprend. T'es fâché, pas de stretché, pas de revue. Quand ça s'élève, ta fesse stressée. On a une réflexion. T'es la langue dans la brume. Yo! C'est le moment où l'on se sent dans nos prix. Adolescent. Ouais. Une marche qui résonne, ouais. Comme un son qui abandonne toutes ses idées préconçues, perçues dans la brume. Ça accélère. Watching you, I'm watching me, I'm watching other people. Regarde la belle maison, yo! Punaise, hein! Punaise, ça ira beaucoup mieux! Bonjour! Allez, les arrivants du Canada! Les arrivants du Canada, oui! Voilà. Et nous parlons aussi! Moi, c'est Renan! Bonjour! Marie-Claude! Alors là, c'est le salon! Le foyer fonctionne? Le foyer fonctionne? Je suppose! Ouais, oui, je suppose! Vu qu'il y a des cendres là, oui! Waouh! Wow. Un quel lit?
Sortir de chez soi est difficile, mais arriver dans une nouvelle maison l'est aussi. Le voyage leur fait vivre des changements de routine qui les aident à s'intégrer dans différents milieux. J'aime bien mettre des chapeaux. Les turbulents sont associés avec la revue Le Papotin. Et les autistes en sont les journalistes. Chacun pose ses questions à tour de rôle. Ils interviewent en groupe les vedettes qu'ils admirent et leur posent des questions non conventionnelles. Ils rencontrent cette semaine le chanteur Mathieu Chédid. Parce que donc, je m'appelle M sur scène. Et donc, un jour, il y a très longtemps, quand j'ai découvert mon personnage et que j'ai cherché mon personnage, je m'appelais M. Et puis un jour, je me suis retrouvé devant la glace chez moi et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut faire un M avec les cheveux? Parce que, en fait, donc j'ai cherché comme ça. Alors là, j'ai les cheveux très très longs. Et j'ai fait comme ça, tu vois, j'ai cherché le truc. Puis, bref, j'ai trouvé qu'en fait, je sais pas si là ça marche parce que j'ai les cheveux comme ça, tu vois, là. Parce que ça, je sais pas si ça se voit comme ça, mais ça fait un M. Diane, est-ce que vous avez des enfants? Une fille qui s'appelle Lily, qui va bientôt avoir 9 ans. Et voilà. Je suis plus âgée qu'elle. Ils sont souvent dans ce questionnement, qui tu es, comment tu t'appelles, d'où tu viens, est-ce qu'il a des enfants, qu'est-ce qu'il a fait hier, etc. Donc ça, c'est une curiosité réelle. À partir de là, donc, je me suis dit, bon, laisser ce questionnement-là partir dans n'importe quel sens, ça montrerait des personnes qui sont complètement à côté, qui disent n'importe quoi, mais si on les met dans un cadre donc, d'intervieweurs, de journalistes, Ça a fonctionné du premier coup, voilà. Donc ils posent des questions. Ils posent des questions, oui. Ils interviewent les personnalités qu'ils ont envie de rencontrer. Beaucoup de personnalités se prêtent facilement, donc assez facilement à ça. Je me rappelle une petite anecdote. On a été invité chez Barbara, la chanteuse, chez elle. Et elle s'est mise à son piano noir. Et elle a demandé à Arnaud, est-ce que tu veux que je te chante une de mes chansons? Et Arnaud l'a regardée et a dit non merci. Je voudrais aller voir tes draps. Comment est-ce possible? On est dans un truc, dans une relation privilégiée avec quelqu'un donc beaucoup rêverait de rencontrer. Elle se propose de nous donner un récital rien que pour nous. Et puis ce jeune-là, donc, il préfère aller voir les draps dans lesquels elle dort. Et il ne trouve absolument ni malice, ni... parce que c'était quelque chose qui est passé comme ça, tout simplement. Alors, il y a des anecdotes comme ça, il y en a des tas et des tas. Mais sans, au Mireille Mathieu, qui arrive et qui offre et qui apporte à un jeune son buste de Marianne, et qui lui dit oulala, non, j'en veux pas, j'ai pas de place chez moi pour le mettre. Voilà, donc il y en a plein comme ça, des moments assez extraordinaires, parce qu'ils ont cette faculté de dire les choses exactement comme ils les ressentent. Et ce ne sont pas du tout donc, des trucs ni agressifs, ça n'est perçu ni comme agressif, ni comme impoli, ni comme quelque chose qui s'est pris tranquillement, parce qu'ils sont réellement dans un naturel qui amène qu'ils peuvent s'exprimer librement. Si je pouvais faire ça... Vous êtes un animal. Si j'étais un animal, je serais contre la contraception. On est dinosaures. Comme quoi l'intelligence ne peut pas s'épanouir, en effet. Non, stop.
Stop, 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 stop. Je vais aller pleuver pour en savoir plus. Messieurs, 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 mesdemoiselles, dames, car vous n'êtes pas des jeunes confuses au papotin, car ici, vous êtes près de 76% à vouloir voter contre vous. Donc, personnellement, vous allez manger du chien contre du lapin rabbit. Ah, dégueulasse. Non. Du lapin. Peut-être pas que tu manges du chien par hasard. J'aime pas le chien non plus. Le monsieur dit. Le monsieur dit. Pourquoi? Comme le CD Mathieu Chédid. Où? Non, il t'a pas emmené de CD. Non, je j'ai amené une guitare pour faire de la musique. Il y a un plaisir réel de se rencontrer, d'être à côté de machin, d'être dans un voisinage, d'entendre une parole de l'autre, etc. Donc c'est un vrai plaisir. En regardant Diane évoluer, qu'on peut vraiment constater l'effet d'un tel voyage. Son sourire contraste avec l'image qu'elle présentait au départ. La rencontre des cultures est omniprésente. Musique africaine, musique orientale, musique diverse. C'est une intégration culturelle qui aiguise leur connaissance rythmique et le plaisir des rencontres. On a beaucoup l'habitude ici de faire, d'avoir des résidences une semaine avec des, comme on a vu ici avec les Russes, et puis qu'en fin de semaine on arrive à avoir un spectacle, c'est toujours très étonnant. Nadia un couple de moi, Marie, tout ça, et je suis contente parce que samedi je vais chanter et je fais Savissa Laurent, lundi j'ai fait Capoura et je savais Bar pour samedi soir. Ah, il y a un taxi. Et je travaille avec une équipe de Turbulent et on fabrique, on fait la peinture, le décor, mais aussi on fabrique les choses à vendre, le petit tableau qui est mis en expo, en galerie, et on travaille entre plusieurs projets. Et aujourd'hui, on a invité un groupe, le groupe du Québec, de participer un peu à des ateliers peinture. C'est pas grave. On va dire quand même que c'est du gazon. Mais c'est vraiment, j'ai mis en place un niveau artistique en premier plan. C'est pour moi, c'est pas un groupe d'art thérapeute, c'est vraiment un groupe d'artistes. Et pour moi, et c'est donc oui, c'est on travaille chacun avec son difficulté, mais là, c'est vraiment chacun aussi apporte son projet artistique individuel. Comme ça. Tu es fini? Est-ce que tu veux mettre ton nom? Comme ça, tu peux. Moi, je peux aller là ou pas? Les relations interpersonnelles ne sont pas toujours évidentes. Répète-moi les sens. Quand l'hyperactivité rencontre l'irritabilité extrême, il faut savoir négocier avec la situation. Les interactions entre Thomas et Diane en sont un bon exemple. C'est parfois difficile, mais ils arrivent à trouver un terrain d'entente. Tu peux aller t'asseoir à côté de ta mère. Viens t'asseoir à côté de toi.
Ok. Celle-là, elle est plus dure. Alors, pour chanter, on va chanter sur la première. Ok. Panana, 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 oué, panana, 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 oué, panana, panana, oué, panana, oué, panana. Banana wheat, banana wheat, banana. C'est pas toujours évident de rassembler le corps et l'esprit et trouver son espace. À travers ça, j'ai commencé à développer un peu plus, à rajouter des mouvements, des techniques. Après, de construire le jeu de la capoeira à deux. La musique après, parce que c'est vrai que c'est quand même deux apprentissages différents. La musique, c'est la musique. La capoeira, le corps, c'est autre chose. Après, c'est en lien, évidemment, mais c'est quand même deux choses différentes. Il faut vraiment fournir un travail qui demande d'être présent. Le but, c'est que le jeune puisse avoir le maximum d'influence et d'ouverture. De culture. Julien, moi aussi j'avais compris ça. Je sais pas quoi comprendre pour le coup. Tu comprends ce que tu veux, Coco? Julien, c'est vas-y. Donc là, c'est maman qui décide, c'est trop. C'est qui cette assiette-là? Julien, grand gaillard là. Tu vas en faire deux avec nous, Diane, au niveau des chœurs, et deux au niveau des percussions à la fin avec tout le groupe. D'accord? On est prêt pour Ayayay? Aïe aïe aïe? Ok. On y va. Go. Quand tu veux, Joe. Nous avons souhaité que chaque activité culturelle puisse être produite devant le public, le grand public, le public ordinaire, et ne soit pas, au fond, cantonnée à un public d'amis, proches, de familles, dans une forme, je dirais, de petits exploits d'handicapés, au fond, mais plutôt dans la présentation de quelque chose qui serait reconnu en tant qu'une expression artistique tout à fait autonome.
Donc ça veut dire que vous aurez les instruments posés devant vous et vous vous assiérez sur les gradins. Et vous allez rester là pendant tout le spectacle du concert. On essaye de trouver aussi une forme qui permette à ces personnes de s'exprimer et surtout de faire reconnaître leur potentiel, parce qu'il existe. Alors ils sont effectivement beaucoup, depuis la petite enfance, coupés de la communication, mais en attendant, on s'est rendu compte que pour quelques-uns d'entre eux, ils ont envie d'une forme de communication avec le monde extérieur, et le spectacle permet ça. Vous essayerez de garder le même emplacement tout à l'heure, hein, de bien vous rappeler où vous êtes et à côté de qui vous êtes, pour pouvoir vous asseoir pendant le concert, d'accord ? D'accord. Et puis après, on fera un petit filage général, d'accord ? Commencer à faire les deux morceaux, on va commencer par le reggae et on finira par l'africain, tout simplement. Ok. Et au niveau des percussions, c'est Stéphanie et Zawi qui vont vous diriger. Hein. Meshak, c'est toi qui as oublié à l'entrée. On va ouvrir. Ok, c'est parti. Je crois que pour le public, c'est quelque chose de rassurant, l'art. Et puis, c'est un lieu où on a un peu l'habitude de voir l'extravagance. Alors, le fait est, c'est que c'est, à notre avis, un très bon levier et puis un très bon outil, parce que quand on est sur scène, le public s'interroge de savoir qui est celui-ci et qui est celui-là, lequel est autiste, lequel ne l'est pas. Et donc on joue sur ce trouble où en même temps on n'est pas dans la différence mais dans la ressemblance finalement, et c'est sur cette question là, sur ce questionnement là que nous faisons écho, et je pense qu'on contribue un tout petit peu à l'évolution de la perception des personnes. Il faut moins peur, c'est moins étrange, moins étranger. C'est un grand accomplissement pour Johan et Geoffrey de surmonter leur peur et de faire face au public. Mais ils ressentent la même fierté et le même sentiment de plénitude que n'importe quel artiste lorsqu'il monte sur scène. Me parle comme un autre jour qui s'achève. Salem, Yona Salem. Salem, Yona Salem. Salem, Yona Salem. Mais le défi ne s'arrêtera pas avec ce spectacle. Après cette semaine à Paris, tout le groupe se dirigera vers Orléans, un voyage dans le voyage, pour monter un autre spectacle. Ça va? Oui. Nous allons poursuivre avec un texte écrit par Geoffrey qui va passer au micro. Lorsqu'on demande à quelqu'un d'écrire un texte, une chanson, c'est plus qu'élargir son vocabulaire. C'est stimuler son désir de communiquer en lui donnant l'occasion de partager les images qui meublent ses pensées. 1 et 2 et 1 2 3 4 6 et 3. Merci beaucoup à venir du Canada et merci beaucoup, je vous trouve très formidable. Merci.
c'est plus bon ce qu'on s'en a l'air. Après avoir réussi son vol pour Paris, Johan doit maintenant affronter le train direction Orléans. Tout cela se fait en groupe. La vie de famille s'est installée avec l'entraide et la solidarité que cela implique. Ce qui semblait impossible au départ devient un mode de vie. Un petit peu. Ça va sortir de ça. Pas de problème. Faut pas que ça accélère. Facebook, première page. Ah, ça va faire un hit. Wow! Chien, yo! Ça va? Ben voyons donc. Il est pas tant bien. Arrête de te faire peur avec ça. Ça suit la voie ferrée, puis ça peut pas passer à côté, yo. Ah, on va trop vite, ça, ce stop. Ben oui, mais... Et ça, comment ça roule, un train? À peu près à... Non! 20? 90 km/h. C'est correct? Et c'est trop long, c'est trop... 100 km/h d'abord. Ben non! À Orléans, le groupe s'installe dans les infrastructures de la couronnerie pour une semaine de rencontres internationales sur le thème « Culture et handicap ». La couronnerie est un centre d'hébergement et d'intégration au travail pour personnes handicapées, ce qu'ils appellent ici des ateliers protégés. Alors là... Durant cette semaine, les membres de l'équipe participeront entre autres à des classes de modelage et de vidéo. Mohamed, quant à lui, présentera la méthode SDIA et donnera des ateliers de rythme avec les délégations présentes qui viennent d'Allemagne, du Sénégal, de France et du Québec. Thomas, ça va? Oui. T'as pas besoin? Et comme à Paris, la semaine se terminera par un grand spectacle qui inclura toutes les délégations. Faut que je me mette au moins. Alors, tu peux ouvrir ici ton écran. Ouais, comme ça, tu vas pouvoir voir ce que tu vas faire. OK. D'accord? Là, il n'y a personne. Ah non, pour l'instant, il n'y a personne, parce que le journaliste n'a pas encore placé et positionné les interviews. OK. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Hey! Hey! Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il y a encore beaucoup trop de préjudices. Il y a encore beaucoup trop d'idées préconçues qui font en sorte que nos autistes sont tassés, sont mis dans des paquets. Ça ne devrait pas. Ils ont besoin de contact social. La base même de leur pathologie, c'est une difficulté à avoir une vie sociale, à pouvoir rentrer en contact avec les autres. Alors, les exclure, c'est quelque chose qui est dramatique. Ce danseur nous a présenté une performance extraordinaire. Il n'y a pas que les autistes qui peuvent bénéficier de l'art pour vivre, s'intégrer et être plus heureux. Que ce soit physique, mental, intellectuel ou comportemental, l'intégration doit se faire à tous les niveaux. Mmh. Mmh.
Pour moi, c'est important que l'art soit accessible à tous. C'est pour ça qu'on travaille. Et dans ce contexte-là, il faut toujours intégrer nos enfants différents. Je suis, tu es, nous sommes, vous êtes à côté de nous. Je suis, je reste, je suis tolérant. Je suis, je reste, je suis tolérant. Hey, 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 je suis, je reste, je suis tolérant. Il y a 20 ans, ces personnes-là étaient condamnées pour la plupart à être enfermées à perpétuité dans des institutions. À chaque fois, j'ai une émotion intense quand je les vois comme à la finale du dernier spectacle que nous avons vu, où j'ai vu plusieurs personnes autistes très heureuses, très fières. Pour moi, c'est magique, ce moment-là. Je suis, je suis tolérant. Je suis, je suis tolérant. Thank you.